Ok. Donc Romain, tu es entre guillemets pour la première fois leader de l'équipe sur ce Tirreno Adriatico. Comment tu as vécu ces premiers jours sur les routes italiennes? Bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Le contre-la-montre m'a mis dans une belle position. Donc j'ai pu passer les 3-4 jours là, de sprint un peu plus sereinement. Après maintenant on attaque le gros morceau, les deux jours en montagne. Donc la bagarre va commencer. Comment justement cette première étape, tu la vois avec cette ascension, cette descente et puis surtout voilà le passage à 8% qui peut-être faire vraiment des dégâts? Ouais, on ne sait pas trop, ça va peut-être déjà être la grande explication entre les favoris. Peut-être que ça sera un groupe réduit qui arrivera pour disputer la victoire, je sais pas trop. Dans tous les cas, ça va être difficile, il va falloir s'accrocher. Et j'espère que ça va sourire et que les jambes seront là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement, toi? Qu'est-ce qui serait pour toi un résultat satisfaisant sur ce Tirreno? Je vais essayer d'être ambitieux et d'aller chercher le plus haut possible sans me mettre de limites. Déjà essayer d'aller chercher une étape, pour moi c'est aujourd'hui, s'il peut y avoir une petite chance. Ça ne va pas être facile, mais pourquoi pas. Et après au classement général, s'accrocher pour essayer d'aller accrocher une place dans le top 10. Ok, bah c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Romain. Merci.